Bon ben ça y est, on est sur le départ. Là, on va partir sur Terre de Haut, qui est l'île, sur les îles des Saintes. On a tout rangé et là, on va décoller. Donc c'est parti. C'était un carnage. Franchement, on est parti 30 minutes avant et encore un peu plus. Et il y avait zéro place en bas. On a dû monter tout en haut pour se garer. 45 minutes pour trouver une place. Ouais, c'est ça, 45 minutes pour trouver une place. À 9h, là où on devait justement embarquer dans le bateau, bah, c'est là où on s'est garé et on n'était pas à côté. On a dû genre courir jusqu'en bas pour qu'après ils nous changent le billet, nous mettent à 9h45. Alors que sur le papier il est marqué 9h et sur le billet il est marqué 9h45. Et quand on se présente, ils nous disent non, c'est pas bon. Donc là on est bien dans le bateau de 9h, voilà, donc là on va partir. Ils nous ont quand même fait passer. Ouais. C'est on aurait sûrement serait parti beaucoup plus tôt en fait. Ah, ouais. Je crois que c'est le seul jour où on part, où c'est catastrophique, ce qui est bien, où il y a un monde de fou. Il y a un monde de fou. Pour le retour, on va pas galérer parce qu'on n'a pas de voiture. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est impeccable. Alors, on va payer pour que la voiture. Hein. Elle est rien. Elle est rien parce que. Là où on l'a garée, quoi. Où je l'ai mise. Pas trop le choix. Bon, du coup, ça y est, on a le logement. Donc là, c'est l'entrée. Après, on a le petit salon extérieur. Vue sur la mer, tout derrière au fond. Après, on a encore une petite table pour manger. Là, on rentre, on a la cuisine. Une immense, immense cuisine. Voilà. Là, on a le petit bureau. Ici, on a le salon. La chambre. Alors là, la salle de bain. Douche plus un bain. Et juste là, les WC. Voilà. On vient de se trouver un petit restaurant. Smoothie. On va voir ce que ça donne. Ça y est, on est du coup sur le premier point. On a déjà une super belle vue. Regardez un peu la vue qu'on a. C'est trop beau. Là, on va repartir en vélo et on va continuer tout là-haut. On va voir, je crois qu'il faut arrêter les vélos au niveau du panneau et après monter à pied, on va voir. Ça y est, on est monté au sommet et franchement, autant vous dire que le vélo, il nous a sacrément bien aidé. Ah, juste à pousser, ça va tout seul. Ça monte tout seul, franchement, c'est d'un pratique. Ah, c'est ils sont géniaux, ils sont géniaux. Et je crois que c'est mieux de prendre d'ailleurs des vélos que les voiturettes, hein, parce qu'on peut aller un peu plus de partout avec les vélos. En plus, ils ont des pneus, ils sont, je sais pas si on les voit, énormes. Énormes, énormes, c'est trop bien. Là, on va se taper une super descente, ça va être le kiff, on va recevoir toute l'air dessus.
Et voilà, parce que là il fait sacrément chaud. Je mettrai zéro assistance. Pareil, il fait super chaud, on a le ciel, il est complètement dégagé, il est bleu. Voilà quoi, on va faire un peu des photos juste en bas quand même. Des photos pour Insta et puis pour nous surtout. Et voilà, on se retrouve en bas. Et franchement, à l'heure à laquelle on est venu, je crois qu'il est 13h, c'est ça, il n'y a personne. Tout le monde dit tout le temps, il faut monter dès l'arrivée en bateau, parce qu'il y a tout le monde qui se jette dessus. Mais en réalité, je pense que comme tout le monde se jette le matin dessus, bah, l'après-midi, je crois qu'il n'y a personne. Voilà. Et on vient de garer nos vélos juste en haut, là. Donc là, on vient de s'arrêter à la plage Pain de Sucre. Apparemment, c'est l'une des plus belles de cette petite île. Voilà. Donc là, on va un peu se rafraîchir dans l'eau et se reposer. Parce que du coup, on a pédalé, je crois qu'on a dû faire quasiment le tour de l'île en vélo. Surtout qu'on n'a pas vu l'entrée de la plage. Donc c'est pour ça qu'on a fait plusieurs allers-retours. Trop bête. Parce que finalement, c'était bien indiqué. On est resté jusqu'au coucher de soleil à la plage, voilà, donc c'était super bien. On a vu pas mal de poissons sous l'eau et on s'attendait pas d'ailleurs à voir tout ça. Et là il fait bon, on vient de se changer et on va aller direction la... Hugo qui galère. Direction la chambre pour aller se laver et aller au restaurant juste derrière, voilà. Hugo qui galère pour mettre ses chaussures. Donc là, on est le soir et il fait déjà nuit, voilà. Et on va chercher un restaurant pour aller manger avec Hugo. Et comme d'hab, on prend les petits vélos. Alors, on va manger quoi dans ce restaurant? Comme le celui qui était dans ma salle. Des crêpes? T'as choisi quoi comme crêpe? Méridionale. Je crois qu'il y a la base de mozzarella, basilic. Ouais, j'ai vu. Et moi, c'est la nordique au saumon. Saumon fumé et plein d'autres choses. On verra. Ça a l'air super sympa.